c'est toute la pièce qui est déshumidifiée avec le déshumidificateur qui est derrière vous. Là, je mets l'origan du coup sur clé que j'ai ramassé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous appelez une clé? Alors, les clés, c'est cadres en bois avec une maille dessus qui permettent du coup de faire sécher les plantes dans le séchoir. C'est comme des tiroirs. Hein. Et le principe du séchage, alors ça marche comment? En fait, c'est la chaleur qui fait que ça sèche. Oui, c'est la circulation de l'air hein, qui emporte l'humidité des plantes. Hein. Tout un tas de systèmes de séchage différents. Celui-là étant le plus simple possible. Hein. C'est un déshumidificateur qui fait circuler l'air et qui absorbe l'humidité au fur et à mesure. Hein. En fonction des plantes, hein, il faut entre quelques heures et quelques jours pour le séchage. Ça dépend vraiment du type de plante. Hein. Ça dépend aussi de la façon dont on les accueille. Par exemple, la menthe ou le basilic sont mondés frais, c'est-à-dire qu'on détache les feuilles avant le séchage, ce qui permet de les faire sécher beaucoup plus vite que si elles restaient sur leur tige. L'origan, il est entreposé sur clé. Je le range comme ça, comme beaucoup de méditerranéennes, parce qu'après, on les roule pour détacher les feuilles. Et donc, en le rangeant au moment du séchage, ça permet de le récupérer plus facilement après. Et combien de temps le séchage? Alors, l'origan, je pense qu'en deux jours, ce sera bien sec. Plus la plante sèche vite, hein, meilleure est la qualité. Hein, parce que après, on a tendance à la voir noircir ou flétrir un peu. Donc, pour avoir une belle plante bien séchée, il faut qu'elle sèche rapidement.